Salut, chers élèves. Dans cette séance de la communication et actes de langage, l'unité didactique 1, semaine 1, première séance. Informer et s'informer sur les Marocains du monde. Alors, avant d'écouter le dialogue, vous allez observer l'image après la lecture de la situation sur le texte et je vais le lire. Omar et Olivier, deux jeunes, Omar et Olivier, deux jeunes employés, se rencontrent à la sortie d'une usine de voitures dans la banlieue parisienne. Il parle du Maroc. Alors, vous allez observer l'image et répondre aux questions suivantes. La première question, où se trouvent les deux hommes? Ces deux hommes-là, Olivier et Omar, où se trouvent-ils? Ils se trouvent devant la porte d'une usine de voitures. Voilà l'usine de voitures. Comment s'appelle chacun d'eux? On l'a dit, l'un s'appelle Olivier et l'autre s'appelle Omar. Que font-ils? Alors, Omar et Olivier, que font-ils? Elle, ils parlent. De quoi parlent-ils? Du Maroc. Alors, on peut répondre à la troisième question et la quatrième question en une phrase et on va dire, ils parlent du Maroc. Que font-ils? Ils parlent, ils discutent, ils bavardent. De quoi parle-t-il du Maroc? Alors, on va écouter le dialogue. Olivier, c'est pour quand ton congé? Omar, la semaine prochaine. Olivier, où vas-tu le passer? Omar, au Maroc. Bien sûr, j'ai hâte de retrouver ma famille. Olivier, as-tu réservé les billets d'avion? Omar, non, je préfère voyager en voiture avec ma femme et mes enfants. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? Omar, mais il est plus économique et la traversée de la Méditerranée en bateau est magnifique. Omar, Olivier, alors bon voyage et n'oublie pas de m'envoyer un message en arrivant. On va répondre aux questions pendant l'écoute de ce dialogue. La première question, quand Omar va-t-il prendre son congé? La semaine prochaine. Où va-t-il le passer? Il va le passer au Maroc. Quel moyen de transport va-t-il prendre pour aller au Maroc? La voiture, c'est bien. Va-t-il voyager seul? Selon le dialogue, non. Elle va voyager avec sa famille. Que lui demande Olivier de faire en arrivant au Maroc? Elle lui demande d'envoyer un message en arrivant. Il lui demande d'envoyer un message en arrivant, de lui envoyer un message en arrivant. Et à ce moment-là, nous sommes arrivés à la fin de la première séance.